Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est Edition Chita, dans des nouvelles ça qui entre la caille au moins ces matins info, quel que soit côté branché. On dit bienvenue sur le canal d'information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nous, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter une édition nouvelle par Daniel Foote, qui s'est envoyé spécial gouvernement américain dans la crise haïtienne après président Jovenel Moïse, qui a été assassiné 7 juillet passé. Et bien, Daniel Foote, dans une lettre qui en met koufiel, lui écrit, voyez bien, chef diplomatie américain, Anthony Blinken, et bien, il dit, il va démission et il dit, il pas cautionné. Eh bien, vague déportation illégale, ça, gouvernement américain a fait des do-la-loi contre immigrants, compatriotes haïtiens. Et donc, ça qui passait dans rue Nord-Alexis avant-hier, côté gagné, et donc, une fusillade police nationale là, qui fait plus passer 10 monde mourir. Donc, gagné, porte-parole. Et police nationale d'Haïti, Marie-Michel Verrier, pour tes explications, qui Jean bagay ça t'est passé d'après version pâle, et il dit, gagnons enquête qui l'ouvrit. Nouveau commissaire gouvernement et Port-au-Prince, Maître France Louis Juste, eh bien, lui annoncer, lui va attaquer question détention préventive prolongée avec plusieurs autres gros dossiers, tant que dossier Maître Montferrier Dorval, dossier Marie-Antoinette Duclerc, assassinat et personnalité Sayo, dossier assassinat Diego Charles, avec plusieurs autres dossiers encore. Donc, Maître Louis Juste, c'est tout. Eh bien, annoncé, donc, à partir des semaines lundi à Cabinia là, aucun marchand de gaz qui empêchait, eh bien, camionneur qui empêchait automobiliste joindre gaz dans Pompio, dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Il n'y a pas besoin de prendre chance lundi à Cabinia là, à partir de lundi à Cabinia là, puisque yo pral croisé bab pou bab avel et yo pral, eh bien, sibi sanction en bas mais la loi. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents de rejoindre pour nous présenter l'édition nouvelle ça nous préparer pour vous. Jean nous annoncer au lit Daniel Foote qui s'est envoyé et spécial donc gouvernement américain sous crise pays d'Haïti après donc assassinat président Jovenel Moïse 7 juillet passé. Eh bien, Daniel Foote est nommé dans la date 22 juillet comme facilitateur pour aider à joindre une solution à la crise politique qui a brassé le pays d'Haïti. Donc, dans une lettre qui en met koufiel, eh bien, diplomate Daniel Foote écrit, voye bay, chef diplomatie américain Anthony Blinken, eh bien, il dénonce expulsion, eh bien, derrière la loi. Gouvernement américain a fait et sous migrants haïtiens yo et ben qui bloquaient sous frontière entre pays Mexique avec pays États-Unis. Donc Daniel Foote dit et ben li pa vle pou yo et ben associé nol nan escandale ça alors que donc pays d'Haïti a fait face avec toute qualité difficulté. Tant qu'il parlait de terre gang améo qui prend pays à poyo et qui associé avec une série régime, une série gouvernement qui corrompit d'après ça dans le pays d'Haïti. D'après ça, Daniel Foote fait connaître gang yo gen ramification, il y a tete lang avec pouvoir, alors pouvoir tete lang à gang yo dans le pays d'Haïti. Donc Daniel Foote rapoursuit pour le dire, il pape associé nol avec décision gouvernement américain prend pour pimper plusieurs milliers et haïtiens migrants haïtiens illégaux retourner dans le pays d'Haïti. Donc il dit c'est une décision li kwe, et qui disons qui pas bay aucun résultat puisque il pas respecté droit moun. Haïti un pays côté et mes propres fonctionnaires américains nous gagnent nan peyi a, eh ben y ap viv nan yon seri building yo kache, bien kache, yo building ki gen route sécurité. Donc yo ferme kò yo bien ferme. Donc yon seri building ki bien protégé à cause danger gang ameyo, eh ben ki contrôle la via nan peyi d'Haïti représenté d'après Daniel Foote. Donc, qui déclarait plus loin, approche politique pays États-Unis, non pays d'Haïti,
eh bien, li pas marché. Donc, li en panne. Politique américaine menée dans le pays d'Haïti li pas marché et li en panne. Donc, recommandation moins fait yo. Donc, c'est soit yo ba yo vagnet ou bien yo voye yo jeté ou bien yo change yo et mosso la dan yo d'après sa diplomate Daniel Foot dénoncé. Donc, il ira poursuivre pour le dire. Donc, peuple haïtien qui plonge dans une misère sans pareil, il prend en otage en bas l'intérêt kidnapping, vol, massacre gang améo et pepsa a souffri en pile en bas yon gouvernement corrompu et qui lui-même gagnait gouvernement sa yo donc gagnait eh bien bon gens rapport avec gang améo nan pays. Eh bien pepsa donc tout simplement et pas capable gérer donc arriver plusieurs milliers migrants haïtiens qui retourner donc qui pas gagner manger pour yo manger qui pas gagner caille pour yo rester côté pour yo dormir et qui pas gagner non plus l'argent qui donc c'est une autre tragédie et encore ça pral donc créer dans pays a pendant nous t'es capable mettre tout simplement éviter ça. Mode, eh bien, l'État ça qui sous la graba dans le pays d'Haïti, il n'est pas capable de bailler donc sécurité ou soit service de base qui donc les yo voyez donc réfugiés plus réfugiés dans le pays ça, eh bien, ou seulement aggravé et donc désespoir avec encourager criminalité donc dans le pays d'Haïti. Dans condition ça, Daniel Foot qui a continué à parler dans lettre en Mekofiel ça, livré par administration américaine nan, donc qui s'est employé américain dans le pays d'Haïti, et ben il dit voyage migration disons migration haïtien dans toute région rivé jusque sous frontière la Caïnou dans le pays États-Unis. Qui donc bagay ça eh ben nous fait là li pap gagne l'autre conséquence que développer migration davantage parce que pays disons parce que depuis et ces misères n'a pas continué développer dans pays d'Haïti c'est résultat ça pour le bail. Diplomate Daniel Foot rapporte pour le dit haïtien yo besoin yon aide en toute urgence pour yon capable rétablir donc capacité gouvernement yo pour capable freiner gang armé avec rétablir l'ordre à travers police nationale là nan pays a. Haïtien yo yon besoin yon vrai accord entre société a avec toute donc acteurs politiques yo yon accord kap jwenn support international là donc pour tracer yon route qui pral permettre yo faire élection démocratique pour disons pour prochain président à prochain parlement. Donc haïtien yo besoin aide humanitaire l'argent pour yo capable eh bien distribuer vaccin anti-covid yon paquet ak yon paquet l'autre bagay encore d'après précision Daniel Foot qui continue pour le dire mais ça zami haïtien nou yo eh ben yo vle tout bon ça yo vraiment besoin c'est possibilité pour yo capable tracer chemin pa yo sans international là li pa vinn ap tire ficelle nan fè jouet mesdames nan favoriser candidat pa yo mais haïtien yo besoin nan démarche ça yon vrai support communauté internationale là. Donc mais moins quoi Haïti donc pas capable gagner et puis jouir une stabilité tout autant situation disons citoyen yo et ben yo pas arrivé gagner dignité pour yo pour c'est yo même qui tout bon qui doit choisir propre dirigeant et pa yo nan pays yo donc de façon correcte et acceptable d'après Daniel Foot qui rapoursuivre dans l'aide en Mekofiel ça pour le dire semaine passée à eh ben États-Unis avec ambassadeur l'autre ambassade qui n'a pas Port-au-Prince et eh ben t'es publié
yon déclaration côté yo soutenu premier ministre Ariel Henry qui pas sorti dans élection comme leader par intérim pays d'Haïti et yo continué donc préféré yon accord politique avec Ariel Henry pendant yo pas voyager yo garder l'autre accord ça qui pillage et qui était fait en vain accord Ariel Henry a donc accord ça société civile là lui-même li proposé arrogance avec fréquence qui fait donc qui fait nous quoi et n'a parlé des communautés internationales là qui fait communauté internationale là quoi c'est lui-même ben qui doit et qui doit choisir moun pour diriger pays d'Haïti yon l'autre fois encore. Donc c'est une bagaille qui drôle en pile. Donc intervention politique internationale yo dans pays d'Haïti yo toujours bail une série résultat catastrophique. Mettez sous malais Haïti déjà a fait face la mener dans une série donc conséquences tête chargée non seulement dans pays d'Haïti mais tout dans pays États-Unis avec dans l'autre pays mais voisin dans région. Donc c'était une lettre Daniel Foot qui écrit voyez bail secrétaire d'État qui voyez bail bien chef diplomatie américain Anthony Blinken mais pour désapprouver politique immigration gain vis-à-vis pays d'Haïti avec tout façon yo bien gérer politique là dans pays d'Haïti. Donc monsieur dit les mêmes pape marcher dans logique ça qui a violé droit monde avec gouvernement américain droit haïtien yo et c'est pour ça li baille démission. L'autre information donc intervention musclée police nationale là t'est fait dans Ravine Pintade dans Rino Alexis avant hier côté gagné plus passé 10 moun qui mouri en bas balle la police et ben gagné porte-parole police nationale d'Haïti Marie Michel Verrier dans cadre une conférence avec la presse le mercredi a l'hypothèse explication sur qui Jean événement ça a li passé et li annoncé eh bien gagné une enquête qui a l'ouvri pour yo capable déterminer circonstances gros événement ça côté gain plus passé 10 moun qui mouri en babal la police Marie Michel Verrier information qui rivé joine nous la police pendant la fait patrouille te gen patrouille qui te trouvé dans zone la lue gen plusieurs citoyens qui t'a allé joindre policier ça qui était dans patrouille qui informé yo gen plusieurs jeunes garçons qui avec zam nan men yo dans rue Alexis en zone qui rele Ravine Pétade la police les mêmes te fait diligence li rive sou lye a les li rive li jwenn effectivement te gen un nèg ki gen zam nan men pendant la va approcher tout li tande détonation l'obligé mande renfort te gen l'autre renfort ki rive a jwenn police sa yo et te gen l'autre détonation yo te rive tande le yo approcher avec renfort ki rive jwenn yo yo obligé te tirer sou moun yo te wè ki gen zam nan men yo et le yo te fini yo te rele juge de paix constaté fait et yo après constat yo joine zam sa yo te nan men moun sa yo c'est enquête qui a déterminé si c'était bon ou bien mauvais zam mais la police li même pendant li te pral faire intervention li pa ta ka déterminer si c'était bon ou c'est mauvais zam. L'autre information, gagné nouveau commissaire gouvernement AI Port-au-Prince-là, maître Franz Louis-Jus, dans le cadre de la première rencontre li avec la presse, journée jeudi, eh bien, il a annoncé qu'il pral attaquer question détention préventive prolongée et donc dans prison yo, donc pour prisonniers yo même capable river ouais juge naturel yo et puis pour capable joindre justice. Mettre la fait qu'on est nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince fait qu'on est tout et eh bien il pral collaborer avec la police de façon pour capable mais combattre gang armé cap terroriser population un peu partout dans la région métropolitaine. Plus loin, maître Franz Louis Just fait qu'on est, eh bien, il prend le moyen plusieurs gros dossiers, tant que dossier Marie-Antoinette Duclerc, assassinat et Marie-Antoinette Duclerc, assassinat Diego Charles, assassinat maître Montferrier Dorval, avec plusieurs autres gros dossiers encore qui en souffrance. Donc, mettre là annoncé dans le cadre, eh bien, gros difficultés, gros problèmes,
gaz qui est dans Port-au-Prince, côté, eh bien, gagné une série marchande à galon jaune qui a marché ramasser gaz dans la pompe pour aller vendre sous marché parallèle là. Et ça qui fait automobiliste avec camionneur arrivé pas capable de vendre gaz dans la pompe, eh bien, il fait qu'on est à partir de lundi qui a venu là. Donc, monsieur marchand gaz, ça a pas besoin de prendre chance à vendre gaz dans la ria puisque il y a croisé bab pour bab avec la police et mais il pourra subir sanction la loi. Nous invitons à suivre déclaration nouveau commissaire gouvernement pour le président maître France Louis Juste. Sous question gaz qu'a vendre dans la rue et nous pensons problème ça de nos jours il vient un problème pour société ya. Et si nous prenons exemple Tigouave côté que gain possibilité nous ouais côté que mon a brûlé, kaya brûlé, n'a annoncé jodi avec tout le monde qui a vendu gaz dans la rue. Yo. D'ici lundi prochain, quel que soit le monde nous joignent, qui a vendu gaz dans la rue, n'a pas la police l'ordre, moun sa yo, prend gaz yo, s'il faut mener devant le tribunal, mener devant le tribunal. Parce que automatiquement, nous annoncer ça, à partir de mardi si Dieu veut, n'a sorti dans la rue avec la police et permanence parquet, on a marché. Chercher tout le monde qui a vendu gaz dans la rue pour nous demander à ce que le problème ça lui suspende la société. Et nous avons annoncé aussi avec question médicale, avec essentiel, pour qu'il y ait vendu gaz. Et nous avons souhaité que le monde qui est propriétaire de gaz ne puisse pas vendre gaz dans la rue, dans le galon encore. Et nous pensons que le monde qui a toujours une possibilité pour le monde d'acheter un galon gaz pour mettre une génératrice, ça ne peut pas écarter la possibilité de ça. Mais quand il s'agit, on a vu avec 10 gallons, 15 gallons, 20 gallons, non pompe, les campes, les pètes, tout gallon ça, et puis là, le vent de gaz là, à travers toute la rue, la vente de gaz, ça nous demande à ce que tout le monde suspende avec pratique ça. Parce que par cœur, il n'y a pas de gagner comme ça. Dans le cadre de travail ça, il y a un ensemble de dossiers qui sont des dossiers criminels que nous pouvons intervenir là-dedans. Tel que le dossier Neti, dossier Diego Chal, dossier Batounet d'Oval, nous pourrons aller demander et chercher qu'on est dans qui et cadre dossier ça yo, dans qui phase dossier ça yo de façon à ce que pour avancer et pour société à lui-même, lui ouais que gain en justice qu'a prononcé, bon justice qu'a marché et bon justice qui voulait pas résultat. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec édition information ça. Nous remercions pour écoute ou attention. C'était amis frères, mettez info qui t'a servi. Nous casser rendez-vous demain, même la même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.